Mais... Ah, c'est trop lourd. Hé, ça paye toujours de fouiller un peu dans le jeu. Oh. Ok. On va voir ça. Oula. Donc là, on a une un espèce de disque rouge. Alors, jaune. On a quoi? Rouge, ouais. Ok. Bon, j'ai le nécessaire. Je pense que c'est assez simple en général. Pas besoin non plus de tous les mémoriser parce que de mémoire, si tu perds, c'est pas. Oh merde. Ah ouais, vous voyez, j'ai encore pas mal de chance. Par exemple, celui-là, je l'ai pas du tout mémorisé. Bah, c'est le marron et marron, ils étaient là. Ok. Et du coup, là. Ah, il y a le disque rouge qui empêche de passer. Donc, il faut les mettre du même côté du disque. C'est ça. Vous voyez, c'est déjà plus difficile. Petit à petit, ça monte en difficulté, même si ça reste assez simple pour l'instant. Alors là, ça, franchement, je pense pas que ça se reflète beaucoup pour vous. Mais là, en VR, on a vraiment une impression de profondeur. C'est vraiment le toit ouvert avec... c'est pas vraiment descriptible, c'est comme dans la vraie vie un peu. C'est ça qui est vraiment génial en VR. Oh. Désolé. C'est un petit cadeau pour toi. Ah, il avait un pustule sur le bras que je pouvais faire éclater. Il avait un point faible en plus. Pas de poignée. Généralement, les balles elles passent pas à travers. Non, ça passe pas à travers. Il y a une autre porte là avec la chaise. On va essayer. Il y a un conduit d'aération là-haut. On va tenter. Juste, bah du coup je prends ça au passage. J'ai dit, je prends ça. Foiré. Ah. Oh. Bonne nuit. Ça aurait été marrant de pouvoir escalader, mais non, j'ai pas assez de force pour ça. Avec le perso là, je peux pas genre, non, de toute façon ce serait tombé tout de suite, ce serait assez con. Ok. Balèze. Du coup il y a cette porte là, je peux pas y accéder comme ça. Il y avait un conduit là-haut, peut-être. Peut-être que la grenade Xen, je peux la lancer. Ce serait un peu du gâchis, j'ai peur. J'ai peur que ça soit du gâchis. Au-dessus, peut-être. Ou il y a forcément un moyen, mais je pense pas que faire péter la porte là, ça va faire quoi que ce soit. Vraiment, c'est pas le genre du jeu de faire ça. Mais je vois pas d'autre possibilité que le conduit là-haut. On va tenter. Non. Bon, bah par acquis de conscience, hein, on va tenter ça aussi. Histoire de se dire qu'on a tout tenté. Oh. Ah, quand t'as la tête dans les mur, il te fait un petit rappel. Non, y a vraiment pas moyen de l'ouvrir comme ça. Écoutez, on va pas traîner ici 3 ans. Tant pis. Il doit y avoir une solution juste là, peut-être, je sais pas. Mais bon. C'est pas prioritaire. Ça s'est fermé. En fait, on va continuer à descendre. Oh. J'entends un monstre par là. C'est un barnacle. Tu lâches rien? Non, tant pis. Combine mort et zombifié. Attends.
On va voir des zombies combine maintenant. Ils ont des armures. Ça va plus être le même délire. Vraiment. Oh merde. J'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Il a foiré son saut. Et la porte qui se referme. Allez! Attendez, j'ai vraiment envie de tester un truc là. Saute-moi dessus. Non? Oh, il saute pas assez haut. Je voulais tenter une petite esquive à la Matrix. Elle était déjà morte. Ils sont pas assez réactifs pour être si menaçants que ça. Je veux dire, dans des endroits assez confinés comme ça, au final, c'est pas des gros dangers. C'est vraiment s'il y a beaucoup de place qu'ils peuvent sauter librement, là, ils vont être dangereux, mais c'est le petit... le seul petit regret au sujet, quoi. À ce sujet. Bon, rien de plus ici. Ah, si. En parlant de shotgun, ouais, ça va. Bon, bah, c'est parti. On va descendre, il y a un zombie qui nous attend. Mais ouais, j'ai envie d'essayer plus tard un petit... Mais il sautait pas assez haut, lui. Pas comme les petits crabes. Bah, génial, j'ai pas la grenade zen que j'avais dans les poignets tout à l'heure. Y a pas une petite grenade qui traîne par là avant de descendre? Non. Ah. Ok. Oula, il a quelque chose lui. Ouais, ok, c'est le fortifié. Mais il semble avoir au ventre. Merci. Vas-y. Notre seringue, bah, j'ai rien dans les poches de poignet. C'était un fail. Ok, donc là on a plusieurs choix. On peut descendre. Visiblement, il y a un peu de compagnie en bas. Ça bouge bizarrement, ça. Pas comme un, pas du tout comme un zombie même. Pas du tout comme un zombie. Oh non, pas encore. Bordel. Ok, je propose que, avant de voir cette saloperie, on fasse le tour de la salle. Il y a des trucs là, il y a un contenant. Ça doit être pour des grenades peut-être. J'ai aucune idée. Toute ma vie, ça me sert à rien. Et puis, ouais, bah c'est ça. On va ouvrir. On va ouvrir la caisse. Je vais regarder ici s'il n'y a rien à faire. Ah ouais, faut une batterie. Donc faut tuer le chien électrique puisque son cœur alimente ce genre de truc. Ok. Et là ça va se mettre à bouger maintenant. C'est ça, comme la dernière fois. Oula. Non. Sésame. Ouvre. Oh. Ouais, mieux que rien, mais. J'ai quoi comme balle? 100. Ok. Du coup, pour voir mon nombre de résine, moi il faut juste qu'en fait je lâche le pistolet. Ouais, c'est ça. Ça affiche en fait sur la main gauche les informations sur ce que j'ai dans la main droite. Bon, bah on va lui faire la peau à cette saloperie là. What the? Non, 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 non. Il va se mettre à me lancer des trucs là. Ah.
Oula, j'ai pas trop envie de m'exposer là. Pointe-toi là. En fait, il y a voilà, un truc, une grosse partie à chaque fois. Enfin, il va dans un endroit du corps. Il faut tirer dans cet endroit du corps à chaque fois. Oh non. Culé. Ça va qu'il est en cage, hein. Bordel. 4 cartouches. Oh merde. Oh putain, j'étais sur rechargement. Non, je peux pas fermer. Oh la saloperie, j'étais occupé sur le chargement, j'ai même pas fait attention. Vas-y, pointe-toi, pointe-toi. Non, oh non. Ah oh, l'enfoiré. Lui. Est-ce qu'il faut que je tire là? Il n'y a pas d'endroit où tirer. Si, dans le bras. Je m'éloigne un peu parce que... Ouh, l'enfoiré. Il est assez lent à la lancer cette attaque. En fait, soit t'es proche, si t'es un peu loin, tu peux le voir venir. Quelle partie? Quelle partie? Je vois pas si dans le ventre. Non. Faut que j'utilise mon scan. En bas. Ok, il remonte. Et il sort. Putain, il m'envie de déballer. Enfoiré. Allez, rampe, rampe. Enfoiré. C'en est fini, toi. Allez, ciao. Alex, is the door gone? What happened? New development. It went into a dead guy. No. Yes. I had to shoot both of them. It was nuts. Je vais attendre avant de le mettre. It sounds nuts. Oh, it was. Je vais faire le tour de la salle là-bas. Puisqu'il était derrière le grillage, je suis pas rentré pour essayer de le tuer tranquillement. Avant qu'il monte là-haut, il doit y avoir 2-3 trucs au moins à récupérer, je pense. Ne serait-ce que... Ah, il a ouvert ça, l'enfoiré. Allez, il y a bien au moins... Il est passé par où? Ouais, il est passé par là. Oh! Hey, tu viens là, toi. Ah. Mais... C'est bon. Finalement. Ça peut pas être agréable de se piquer comme ça dans leur vie. Tac. Dans la main en plus. Il y a des meilleurs endroits, mais. Ok. C'est parti, on a fait le tour ici, je pense. Début de niveau plutôt sympa, assez dynamique. Ça te met dans l'ambiance, quoi. Tant pis pour la résine là-haut, hein, puisque je pourrais pas l'avoir. On a vraiment fait le retour, genre ça, quand ça vibre, t'as le contrôleur qui te vibre dans la main à la vitesse du cœur et tout. Enfin, c'est vraiment le souci du détail. C'est un peu lent, non? Enfin, c'est pas qu'on a tout notre temps, mais... je préfère m'écarter. Si, il va falloir que j'ouvre de toute façon ici. Faut que je reste en face. Oh, sympa. Not to be a worrier, but shouldn't Dad be back by now?
Well, let's think about it, Alex. He's on foot, moving at 3 miles an hour. Plus, he's a fugitive. He's only got one leg. There's obstacles, no direct path. You know what? I'm not gonna lie to you. He should be back by now. Yeah. So I should be worried. Normally, yes. But you're the one headed towards the danger, so I'd say we should be the ones worried about you. Rien d'automatisé, c'est vraiment... Est-ce que je peux le pousser ou... Non, c'est vraiment tout avec la manivelle. Oh. Ah ouais, ça nous a pris quand même un niveau et demi pour arriver ici, quoi. On était là avant. Il y a 2 épisodes, je crois. 1 ou 2. Je sais plus trop. 2 épisodes. Et bah c'est parti, il y a un passage en bas. Est-ce que je peux remonter si je descends? J'ai envie de savoir quand même. Je pense que oui, ils ont pas pu faire... À mon avis en fait en bas c'est la suite et ça c'est juste une réserve, un truc à accéder, un bonus quoi. Yes. J'ai combien? 24. J'ai pas assez pour le laser. Il me faut 30 je crois. En un seul tout faire. Ok. Oh. Qu'est-ce que... Ah, ok. Hop. Bah, j'y suis presque, mais... Ouais. En fait, faut faire un tunnel entre les deux. C'est pas si évident que ça à rediriger. Voilà. Sympa. Encore une nouvelle... nouvelle énigme. Bon, je pense que ce sera pas suffisant, mais on va quand même essayer. 24. Tir en rafale. Ah non, viseur laser, j'ai déjà. Je pensais à la réserve de balles. Ajoute une réserve qui peut contenir 10 balles supplémentaires. C'est pas dégueulasse, quoi, pour le chargeur. C'est bien, mais je préfère le coup à coup. On va partir sur la réserve de balles dans 6 résines. Et puis le shotgun, vraiment je le garde comme ça. Il est très bien comme ça. Surtout que j'ai même plus de cartouches. Donc c'est pas une arme que je vais beaucoup utiliser, le shotgun. Et du coup ouais, c'est ça. Descendre, c'est la suite du niveau. Tu tombes dans une salle comme ça, il y a un cadavre. Premier réflexe, ouvrir les tiroirs. C'est pas trop normal, mais. Tu gênes. Ah, j'avais dit, il gêne. Ok, rien d'autre ici. Il y a un zombie qui arrive. Depuis que j'ai le viseur laser, je prends plus trop le temps de viser avec ça parce que vraiment pour avoir le pointeur jaune là, des fois ça prend un peu de temps. Service après-vente, bonjour. Il est rouge. Excusez-moi. Hein. Et alors? C'est pas la pire des choses que t'aies vu quand même. Ouais. Ils ont quand même pas fait que... Non ouais. Y'a pas un peu de Javel là pour un suicide rapide?
Attends. Non mais c'est des malades quand même, ils sont même allés jusque faire le papier toilette. Tu peux l'enlever et tout. Non mais... Ce jeu, bordel, ça me tue, le niveau de détail. Tu peux jeter des PQ à la gueule des ennemis, tu sais. Mourez! Je vais en prendre un, je vais vraiment le faire. On peut pas le stocker dans la poche poignée. Headcrab mort.